Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Donc départ raté, on refait le match, on refait le départ. Donc bienvenue en tout cas sur Meta TV. C'est le débat, le fameux débat tant attendu, le fameux débat, le premier on va dire. Donc vous nous excuserez, vous nous pardonnerez j'espère des petits couacs prévisibles hein, puisque c'est la première fois qu'on fait un débat. Donc vous avez remarqué, changement de plateau, changement d'atmosphère. Et donc, on va accueillir tout de suite nos invités. Alors, j'ai cité Adrien Abosi. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Et Christian Van Est. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Donc, tous les deux, on vous présente plus. Alors, je te vous voyais, puisque si je vous vois, monsieur Van Est, je vais mettre à égalité quand même. Donc, alors voilà, Adrien. Vous voyez, c'est la seule façon de reconnaître la pluralité, donc la richesse d'une personne. Et n'oublions pas que la Convention avait aboli le vouvoiement. À la Convention avait aboli le vouvoiement. Bonne raison de le restaurer. Ouais. La restauration, hein, ça rappelle des souvenirs. Donc, Adrien, avocat, conférencier, donc, qui avait fait une émission ici même sur Pétain. J'ai fait deux, ouais, même. Deux même, pardon, je dis une, il y en avait deux, effectivement. Voilà, donc émission qui avait provoqué, on va dire... Une émission de gauche, pourtant, très engagée à gauche. Non, je plaisante. Très engagée à gauche, oui, effectivement. Alors, on a Monsieur Van Est, bonsoir. Alors, vous êtes jamais venu... Vous pouvez dire Christian, quand même. Hein, bon, je peux dire Christian, voilà. On peut le voyer, mais bon, le Monsieur Van Est est un peu superflu. Là, voilà, même. Alors, Christian, ouais. vous êtes ancien député. Oui. Voilà, donc vous êtes d'ailleurs assez connu, puisque vous avez fait quand même des participations à plusieurs médias. Il y a eu... On va dire des polémiques aussi, on va pas revenir oui, dessus. Oui, mais j'ai surtout mais... travaillé comme député, j'ai fait des textes, oui, j'ai aussi. Fait des rapports importants. Bien sûr. Mais il y a eu une grosse médiatisation à un moment donné. Sur des sujets assez annexes. Mais bizarrement, on parle plus de ces sujets-là en général que des travaux sérieux, c'est ainsi. Voilà. Bon, bah, en tout cas, bienvenue à Meta TV, puisque c'est la première fois. Donc, les métanautes sont avec nous aussi. Je vous salue à tous les métanautes qui nous regardaient. Donc, il y en a Snow, Itan, Marc, Mister Kennel, Yod, Big Tenia, Don Sanus, Raph, Yod, etc. Bonsoir à vous tous. Donc, ce soir, le débat, c'est qui a sauvé la France avec, évidemment, en arrière-fond de fond, De Gaulle ou Pétain. Et on va avoir l'occasion, donc, pendant 2 heures, de débattre. Et d'opposer, on va dire, vos points de vue, puisque vous, Christian, vous êtes gaulliste, hein, vous revendiquez cet attachement gaulliste. Vous, Adrien, bon, pas trop... Moi, je suis à équidistance du général Végan et de Alphonse Allais, idéologiquement parlant. Voilà, alors on reparlera effectivement du général Végan, parce qu'on a vu que c'était une pomme de discorde, peut-être bien. Donc, pour commencer ce débat... Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole, d'ailleurs, en premier. J'ai déjà parlé pendant 6 heures. Tu as déjà parlé pendant longtemps. Alors, moi, j'ai envie de commencer ce débat par justement, le général de Gaulle. Et général de Gaulle, donc cette très grande figure de la Résistance, grande figure, grand héros de la Seconde Guerre mondiale, qui, on va dire, nous est enseigné, nous est... compté hein, par tout le monde comme le grand chef résistant qui a sauvé le pays qui était occupé par l'Allemagne. Donc, c'est quoi déjà l'attitude de Gaulle, si on pouvait revenir, puisqu'on va revenir un peu à la genèse des choses, avant, on va dire, c'est quoi de Gaulle, il est où, qu'est-ce qui se passe, en fait, avant la guerre, juste avant la guerre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est, puisque on sait que le maréchal Pétain, lui, est en retraite. Hein, pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Pas vraiment. Il est au moment de la guerre, il est d'abord ambassadeur auprès de Franco, après avoir occupé pratiquement pendant toute l'entre-deux-guerres des responsabilités importantes. Hein, généralissime, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, etc. Non, il a eu un rôle considérable dans la mesure où c'était le seul maréchal survivant au moment de la guerre 40, de ceux qui avaient obtenu leur 7 étoiles pendant la guerre 14. Et il avait une réputation qui était extraordinaire. Vous savez, il y avait une phrase, plutôt une périphrase pour désigner le maréchal Pétain, c'était le vainqueur de Verdun. Il suffisait de dire ça. Et tout le monde avait un éblouissement dans les yeux. C'était le vainqueur de Verdun. Il avait ces deux aspects-là, d'avoir gagné la plus difficile bataille de la guerre 14, ensuite d'avoir rétabli l'ordre dans l'armée, de façon assez humaine d'ailleurs,
en 1917. Il avait en plus cette réputation qui lui est restée d'être quelqu'un très proche des gens, et notamment d'être le seul chef de haut niveau pendant la guerre 14 à avoir manifesté une très grande sollicitude pour les troupes. Vous savez, il est arrivé de dégrader un capitaine qui avait considéré que ce que mangeaient les soldats n'avait pas d'importance. Hein, il l'avait dégradé. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une réputation extrêmement humaine, extrêmement forte, et donc qui a vécu là-dessus. Il faut savoir d'ailleurs que le général de Gaulle et lui se connaissaient bien. Oui, au début de la carrière de Gaulle, celui-ci a bénéficié d'un soutien du maréchal Pétain. Hein, il s'appréciait. Et d'ailleurs, de Gaulle, même jusqu'à la fin, a toujours considéré que le maréchal Pétain, en tant que grand chef de la guerre 14, méritait du respect. Simplement que, comme il l'a dit, c'est cette terrible phrase sur la vieillesse, c'est un naufrage. Quoi. Vous savez que de Gaulle avait peur que ça lui arrive aussi. C'est qu'il a considéré que la fin de Pétain était vraiment quelque chose d'épouvantable. Qu'il ne méritait pas ça, et surtout que la France ne méritait pas ça de sa part. Donc ils se sont séparés. En gros, à la fin des années 20, et surtout dans les années 30, ils se sont écartés parce que, de plus en plus, ils ont été en opposition. Alors, ils ont été en opposition sur des petites questions comme, par exemple, la rédaction d'un livre, puisque Pétain n'écrivait pas. Hein. Pétain était un curieux académicien qui n'avait jamais écrit une ligne. Et il avait donc commandé à De Gaulle, qui travaillait très proche de lui, enfin, qui était vraiment quelqu'un qui était très proche de lui à ce moment-là, il avait commandé un livre sur, dans le fond, l'histoire de l'armée française, quoi. Et puis, il l'a pas... il n'a jamais publié. Il n'en a pas eu besoin. Il n'en a pas eu besoin pour rentrer à l'académie, donc il n'a pas publié. Et De Gaulle lui a donc redemandé. Et il l'a publié, et là, il y a eu un petit peu des problèmes de... Ah oui, mais ce livre, il était pour moi, il n'était pas pour lui. Bon, alors, il y a eu une sorte de jalousie d'auteur qui a un peu gâché leur relation. Mais c'était tout à fait anecdotique. Non, le plus grave, ça a été vraiment l'éloignement total sur le plan militaire, c'est-à-dire sur le plan des conceptions de la guerre, des conceptions stratégiques. Pétain est quelqu'un qui était en phase avec son époque pendant la guerre 14. Contrairement, par exemple, à des gens comme Foch et tout ça, Pétain n'était pas un partisan de l'offensive. C'était un partisan de l'artillerie. Il faut une artillerie puissante qui prépare le terrain et ensuite l'infanterie occupe un terrain qui a été dégagé de l'ennemi. Donc les fantassins ne sont pas menacés par les ennemis, notamment par les mitrailleuses. Il était très sensible à ces armes modernes qui tuent beaucoup de monde. Le feutu, disait-il. Le feutu, c'est une de ses formules. Ouais. C'est une de ses formules, effectivement, bien connues. Et donc, Pétain avait parfaitement compris la logique de la guerre 14. L'ennui, c'est que la guerre 40, ce n'est pas du tout la guerre 14. Et qu'entre les deux, De Gaulle lui a parfaitement compris ce qu'allait être la guerre 40. Et il a écrit un livre absolument génial, mais génial. Le fameux livre de De Gaulle qui c'est vers l'armée de métier. C'est vers l'armée de métier, c'est quoi qui anticipe? Ah ben, c'est très simple. Vers l'armée de métier, si vous voulez, quand vous lisez vers l'armée de métier, vous vous dites, nous avons eu là vraiment l'homme, le militaire et l'homme politique le plus clairvoyant du siècle. C'est quelqu'un qui a parfaitement vu ce qu'allait se produire. Et il explique les choses en deux éléments. Premier élément, d'abord, c'est la stratégie. C'est la prochaine guerre, ce sera la France et l'Allemagne, comme toujours. Elle va arriver, cette guerre. Elle est en 34. Hein. Hitler vient à peine d'arriver au pouvoir. Lui dit, la guerre va se produire. Et cette guerre, seul celui qui attaquera le premier gagnera. Et les deux pays sont tous les deux dans une situation parfaitement symétrique. À savoir, la France est un grand pays qui a une fragilité. C'est que son noyau central, son cœur, se trouve très près de ses frontières. C'est Paris. Le premier qui atteint Paris tue la France. Mais l'Allemagne est dans la même situation. Le cœur de l'Allemagne, c'est la Ruhr. Et le premier qui atteint la Ruhr tue l'Allemagne. Et donc, l'idée de De Gaulle ensuite se décline sur un plan d'usage des armes, au nom de cette stratégie, en disant, voilà, donc aujourd'hui, il faut développer une arme blindée. C'est-à-dire des divisions blindées qui sont capables de crever le front ennemi, non pas du tout de créer une bataille en front comme dans la 14, mais de crever le front et effectivement d'atteindre l'ennemi au cœur. C'est malheureusement exactement ce qui s'est produit, mais dans le sens que De Gaulle ne voulait pas, puisque les Allemands ont fait ça par les Ardennes et ont pris Paris. Alors il faut savoir que sur tous ces sujets-là, Pétain était exactement aux antipodes. Hein. La seule chose que Pétain avait à peu près perçue,
C'était l'usage de l'avion. Merci. Mais en revanche, De Gaulle le rappelle, d'ailleurs, dans une de ses interventions du début de la guerre, il rappelle que Pétain a eu à plusieurs reprises, entre 1925 en gros et 1940, le pouvoir de changer les choses. Il a été ministre de la guerre, notamment en 1934. Oui, parce qu'en 25, il était... Non, attendez, je dis 27 parce qu'en 25, il était au Maroc. Non, ce que je veux dire par là, c'est... Non, mais c'est surtout entre 25 et 40, parce que là, il s'est payé toutes les plus grandes responsabilités qu'on peut avoir sur le plan militaire en France, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la guerre, généralissime, ministre de la guerre. Attendez, il a tout eu en main, et il n'a rien fait. Il a laissé la ligne Maginot, qui était la pire bêtise qu'on pouvait imaginer. Il a défendu l'idée que les Ardennes étaient impénétrables. Or, elles ont été pénétrées. C'est complètement vrai. J'ai la citation. C'est complètement vrai, écoutez. J'ai la citation. Vous savez, on peut citer une phrase un jour et le lendemain, il dit le contraire. Ah non, mais c'est une phrase prononcée devant la commission du Sénat. Je m'en moque, ce sont les faits qui comptent. Est-ce qu'il a fait, en tant que ministre, quelque chose pour remédier à ce problème? Rien. Il n'était pas en mesure de le faire. Pas en mesure de le faire. Comment ça, pas en mesure de le faire? Lorsque la guerre arrive, est-ce que Pétain n'a pas le poids suffisant pour prévenir... Quelle fonction Pétain au moment de quand la guerre elle arrive? Il occupe quelle Alors fonction. Il est envoyé comme diplomate auprès de Franco. Non pas parce qu'il avait... Ah, il est diplomate là encore, d'accord. Non, pas du tout parce qu'il était ami avec Franco. C'est une chose qui est complètement fausse. Ils se sont connus, puisqu'ils ont fait une guerre ensemble. C'est la guerre du Rif, en 1925. Pétain avait succédé à Lyautey, il était à la tête des Français, et Franco jouait un rôle important du côté espagnol. Donc ils se connaissaient bien. Mais en revanche, ils n'avaient pas de sympathie. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Pétain était un général républicain. Ça n'a jamais été un fasciste, ça n'a jamais même été quelqu'un de suspecté d'extrême droite, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc il n'avait pas la même orientation politique que Franco, par exemple. Mais on l'avait envoyé parce qu'on pensait que c'était le seul qui pouvait faire en sorte que la frontière espagnole ne soit pas aussi dangereuse que les autres. Ouais, c'est pour assurer la neutralité. Oui. Parce que ce qui est terrible, si vous voulez, je vais revenir sur De Gaulle, ce qui est terrible, c'est que De Gaulle a parfaitement compris comment la guerre allait se dérouler, comment elle pouvait être gagnée, y compris aussi comment elle pouvait être perdue, c'est vrai. Mais ça se situe plus exactement, plus généralement, dans un contexte politique que De Gaulle avait également parfaitement compris. De qui De Gaulle se rapproche-t-il à ce moment-là? Il se rapproche du seul homme politique intelligent qui est un peu au pouvoir, c'est Paul Reynaud. Ah bah, alors... Paul Reynaud est le seul homme politique intelligent qui voit à peu près, qui voit à peu près les choses, qui n'a évidemment pas le pouvoir de le faire tout simplement parce que à l'époque c'est la Troisième République et le pouvoir est déliquescent, ça ne fonctionne pas. C'est bien pour ça que ensuite De Gaulle va vouloir changer les institutions lorsqu'il va revenir au lendemain de la guerre et puis bien sûr ensuite beaucoup plus tard en 58. Alors vous Adrien, alors pas d'accord du tout? Non, c'est pas que je suis pas d'accord du tout, c'est pas ça, parce que là on a quand même un petit peu amorcé la question de la cause de la défaite, un petit peu ouais. Puisque vous avez évoqué que Pétain en serait quand même un petit peu responsable. Oui, bien sûr. Qui sont les responsables de la défaite? Premier responsable, vous allez sursauter, le duc d'Orléans. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Le problème, c'est que la France est le pays le plus peuplé en 1789. En 1940, il y a deux fois plus d'Allemands que de Français. Oui. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Deuxième responsable, Georges Clemenceau. Pourquoi Georges Clemenceau? Parce que quand on a gagné la guerre en 1918, nous aurions pu imposer l'annexion de la Rhénanie. Foch le voulait, Mangin le voulait, Poincaré le voulait. Clemenceau a refusé pour faire plaisir à M. Lloyd George et à M. Wilson. Donc deuxième responsable, Clemenceau, parce que l'Allemagne avait deux poumons industriels, comme l'a évoqué la Rhénanie, et la Silésie. Donc si Hitler avait été privé de la Rhénanie, un, il n'aurait pas eu une armée aussi puissante, puisqu'il aurait été privé d'une grande partie de son potentiel industriel. Et surtout, les Allemands n'auraient pas pu faire la fameuse percée des Ardennes. Ensuite, autre responsable, rapprochons-nous un petit peu. Quand même Daladier, excusez-moi, mais le gros problème de la France, c'est que les Allemands lancent l'économie de guerre dès 1937. Et que Daladier, quand on lui dit « Monsieur, Daladier, on est quand même déjà en retard, il faudrait peut-être quand même qu'on s'y mette », il dit « Non, attendez, quand même, mes amis de gauche, je vais quand même pas les secouer, les 40 heures, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on va pas revenir dessus, etc. » Daladier
a lancé beaucoup trop tard l'effort de guerre. Beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, le ministre Raoul Dautry, je crois que c'est son prénom, qui s'occupait de l'armement dans les derniers gouvernements de Paul Reynaud, pensait que, enfin, espérait que Hitler n'attaque qu'en 1941, parce qu'il savait que la France n'avait pas eu le temps de se réarmer, à la mesure de l'Allemagne. J'oublie un responsable. Comment s'appelle-t-il? Albert Sarraut. Pourquoi? Parce que lorsque Hitler a remilitarisé la Rhénanie, qu'a-t-il dit? On ne va pas faire la guerre à 3 mois des élections. Alors qu'à ce moment-là, on leur a mis une fessée monumentale. Et ça n'a pas été fait pour des raisons qui sont une telle médiocrité qu'on peine à le croire. Oui, mais si vous voulez, tout ce que vous venez de dire, je suis parfaitement d'accord. Hein, c'est pas un sujet de débat. Mais vous avez déplacé le sujet sur un plan politique. Je vous rappelle que De Gaulle, avant... J'arrive sur... Ah, non, mais avant... J'arrive. Attendez, avant 40, avant quelques semaines avant le 18 juin, hein, c'est-à-dire fin mai, il est à peine une quinzaine de jours ministre, sous-secrétaire d'État, c'est tout ce qu'il est. Et il est effectivement dans le cabinet de Paul Reynaud, qui est le seul homme politique qu'il a écouté. Mais Paul Reynaud n'a pas été Premier ministre avant. Il n'a pas eu la possibilité de mettre les idées de De Gaulle en marche. Alors, non, mais c'est tout le problème. C'est que si vous voulez, quand je disais tout à l'heure, parce que vous avez rebondi là-dessus, quand je disais il s'est rapproché du seul homme politique intelligent, Paul Reynaud, mais oui, mais Paul Reynaud n'a jamais eu le pouvoir. Alors que tout ce que vous dites sur les autres, et notamment sur Daladier qui a été Premier ministre avant lui, mais vous avez entièrement raison. Alors, seulement, quelle est la véritable raison de tout ça? Soyons clairs. C'est que la France est un pays qui a été complètement phagocyté par la gauche et par une gauche que je qualifierais de marécageuse. Même pas une gauche noble, même pas une gauche avec des idéaux, mais une gauche marécageuse. Une gauche de maquignons, dont Daladier et Laval sont des représentants évidents, des gens prêts à toutes les compromissions, des lâches. Des gens qui ne veulent pas que ça bouge, des gens qui ne veulent pas affronter le danger, des gens qui simplement veulent tenir leur gouvernement, quand ils sont Premier ministre, enfin président du Conseil à l'époque, un jour de plus. Quand on n'arrête pas de changer de gouvernement, ils veulent tenir un jour de plus. Et la France ne bouge pas, ne fait rien, parce qu'elle a une politique mais qui est d'une nullité absolue. De Gaulle a un mépris total pour tout ça. Mais il n'est pas politique. Lui, c'est un militaire, c'est pour ça que moi je vous ai dit ce qu'il a écrit, c'était uniquement de la stratégie. C'était uniquement une réflexion sur les modalités de l'action militaire, tout simplement parce qu'il était militaire et qu'il n'avait pas à se préoccuper de politique. Ça, je n'ai jamais reproché. Mais vous remarquerez une chose, c'est que lorsque De Gaulle a fait de la politique et il commence à en faire en 40, mais il est parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il veut absolument changer ce régime qui, pour lui, est le responsable de la défaite. Simplement, De Gaulle a une grande intelligence. Je termine là-dessus parce que c'est très important. Vous savez, il y a deux auteurs dont la réflexion est curieusement semblable. Il y a un auteur qui est souvent cité, c'est Marc Bloch, dans L'étrange défaite, et puis c'est De Gaulle. Tous les deux ont la même réflexion, c'est de dire, attendez, il y a la cause première de la défaite. On va échelonner les causes. La première cause, c'est quoi? C'est l'armée. C'est-à-dire la faiblesse incroyable du commandement. On a eu un commandement, mais qui était d'une nullité totale. Gamelin, vous saviez très bien qu'à l'époque, les généraux étaient nommés en raison de leur compagnonnage, de leur appartenance à telle ou telle obédience, etc. J'insiste pas. Et non pas du tout en fonction de leur qualité professionnelle. Donc ça, c'est la première cause. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres causes. Et même chez Marc Bloch, il évoque les autres causes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, cette espèce de déliquescence de l'État, cet effondrement de la morale civique et de la société qui fait qu'avec des Français qui sont courageux, qu'avec des Français qui sont toujours les mêmes, parce que les Français, contrairement à ce qu'on dit souvent, se sont très bien battus en 40, il y a eu 95 000 morts, et lorsqu'ils se sont défendus, lorsqu'ils sont accrochés, De Gaulle en particulier a amené 3 combats qui ont été plutôt victorieux, lorsqu'ils sont accrochés, ils ont fait payer très cher leur passage aux Allemands.
Seulement, le problème, c'est que la direction générale, si j'ose dire, c'est-à-dire le haut commandement Gamelin, était d'une nullité absolue et qu'ils avaient été mal préparés, notamment sur le plan de l'organisation de l'armée et sur le plan du matériel. Par exemple, les Allemands avaient deux fois plus d'avions que les Français. Et comme les Anglais, qui eux, sont toujours assez intelligents, se sont dit « Oh là là, c'est mal barré », attendez, ils ont mis à la disposition des Français trois escadrilles en tout et pour tout. Et dès qu'ils ont vu que ça se gâtait, ils ont ce qui d'ailleurs leur a permis de gagner la bataille d'Angleterre, la bataille du ciel. Parce qu'eux, ils n'avaient pratiquement pas perdu d'avion pendant la bataille de France. L'aviation française a été laminée, vidée du ciel par les Allemands. On en avait deux fois moins qu'eux. Et en plus, eux avaient des avions qui avaient été extrêmement typés. Nous, on avait toute une gamme d'avions, certainement, pour faire plaisir à tel ou tel industriel, etc. On avait toute une série d'avions extrêmement disparates. Ce qui fait que, en ayant des pilotes courageux, efficaces, un matériel qui techniquement n'était pas mauvais, eh bien, on n'a pas été capable de l'utiliser intelligemment. Alors, sur une considération purement militaire, le plus coûteux des chars, c'était pas de Gaulle. C'était le général Étienne. Et Gaulle a repris les droits. Mais le livre prophétique, c'est en tout cas vers la vie de métier, c'est très clair. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit souvent Guderian a imité de Gaulle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car si les Allemands ont percé à Verdun, ce n'est pas que grâce aux Panzer. C'est grâce à l'addition des Panzer et de la Luftwaffe. C'est que les Allemands ont addition le coup d'avance stratégique des Allemands, c'est d'avoir additionné les chars et la Luftwaffe. Et sur la défaite de la France, il y a un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est passionnant, du général Lafargue, qui s'appelle « Justice pour fin de 1940 ». Et en fait, ce qu'il explique, c'est que, sans parler de la question Gamelin sur laquelle on reviendra peut-être, il explique qu'en fait, la Blitzkrieg allemande a eu lieu sur un front malgré tout assez large, mais que ce n'est passé que à Verdun. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il aurait fallu juste un tout petit peu plus de défense aux Ardennes. Il aurait fallu juste un petit peu plus de défense à cet endroit-là et la Blitzkrieg aurait pu être stoppée. Ce qui voudrait dire qu'on aurait gagné. Ce qui veut dire qu'on aurait perdu en tout cas différemment. Et la phrase de la Farc que j'ai retenue, c'est que le coup de Guderian de la percée des Ardennes, c'est une balle qui nous atteint en plein cœur tout de suite, en fait. Qui perfore l'armure en plein cœur. Voilà, c'était ça, je crois, son expression. Ensuite, responsable militaire Gamelin. Nous, déjà, il y a une incohérence dans la politique française. On recherche des alliances à l'Est, alors qu'on fait une politique défensive. Ça n'a pas de sens. Si on fait des alliés à l'Est, c'est qu'il fallait un petit peu plus de cohérence. Ensuite, la ligne Maginot, à la limite, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que Gamelin n'en a pas bénéficié, la ligne Maginot. Pourquoi? Parce qu'il s'est projeté. Et puis non, puis je suis d'accord dans tout, là. La ligne Maginot est... Non, je suis d'accord pour la première part de votre raisonnement. Pas le début. Non, c'est très simple. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le traité de Versailles, complètement d'accord. Le traité de Versailles est vraiment la cause fondamentale de la guerre 40. Les gens qui ont signé le traité de Versailles devaient savoir qu'ils signent en même temps la déclaration de la guerre en 40. Bon, c'est Jacques Demy qui dit, et tout le monde pense que c'est une des choses qui est le plus justement du monde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit l'une des belles civilisations d'Europe. L'un des pays qui faisait, dans le fond, la richesse culturelle de l'Europe, qui était l'Autriche-Hongrie. C'est un désastre, alors que c'est un morceau, d'ailleurs, lourdement trempé dans ce crime. Et indépendamment du caractère culturel, moi je suis très attaché à l'Autriche-Hongrie pour ces raisons-là, mais indépendamment de ça, comment a-t-on pu penser que la toute petite Autriche aller rester à côté de l'Allemagne sans que l'Allemagne ait envie de la gripper? Et comment les autres pays qui résultaient de la décomposition de l'Autriche-Hongrie, que ce soit la Yougoslavie à partir de la Serbie, que ce soit la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, comment a-t-on pu imaginer que ces pays allaient pouvoir résister si l'Allemagne reprenait une position impérialiste? C'était absurde. Néanmoins, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors, il fallait donc trouver une réponse. La seule réponse possible, c'était effectivement l'alliance avec les pays de l'Est. Donc avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie, et la Roumanie éventuellement, la Yougoslavie, etc. Avec tous ces pays-là, pour faire en sorte qu'on puisse attaquer l'Allemagne de plusieurs côtés à la fois, si elle devenait à nouveau belliqueuse. Bon. La ligne Maginot est complètement antithétique avec ça. Ça veut dire, si l'Allemagne se paye les petits pays justement avec lesquels on est alliés, nous on reste derrière nos fortifications. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, mais c'est complètement idiot. Et alors, à partir de là,
on a laissé se développer un antagonisme entre des pays qui ne pouvaient qu'être des alliés, entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. Je vous rappelle que lorsqu'il y a le partage de la Tchécoslovaquie, la Pologne s'empare d'une partie de la Tchécoslovaquie. Et on laisse faire, on trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Bon, et la Tchécoslovaquie, le drame de Munich, c'était le seul pays qui avait une ligne de fortification solide à côté de l'Allemagne. C'était le seul pays qui avait une armée bien organisée. C'était le seul pays dont l'armée était bien équipée, parce qu'en plus, les Allemands se sont battus ensuite pendant la guerre 40 avec notamment des chars qui sortaient des usines Skoda. Hein. Bon, les Tchécoslovaques ne pouvaient pas se battre seuls contre les Allemands, mais ils pouvaient résister si on les aide. Or, on les a laissés se faire écrabouiller par les Allemands. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on avait un gouvernement inerte, et surtout un gouvernement qui, pendant tout l'entre-deux-guerres. Et c'était une des raisons, d'ailleurs, de la collaboration. C'était un des arguments utilisés par les collaborateurs, par les collaborationnistes même. C'était que, pendant toute cette époque, quand vous regardez ce qui s'est passé sur le plan international, les Français ont été à la traîne des Anglais. Ah, oui. Munich, par exemple, c'est les Français sont là, c'est manifestement Chamberlain qui décide. Il est déjà allé en Allemagne avant Munich, d'ailleurs il a déjà rencontré Hitler, c'est déjà fait, tout est déjà réglé par les Anglais. On suit les Anglais comme vraiment le chien suit son maître. Or, manifestement, les Français auraient dû être en première ligne sur cette affaire-là, dans le cadre d'une politique offensive contre l'Allemagne. Ne pas laisser se faire, bien évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de Sarrault, la réoccupation de la Rhénanie, bien sûr. Ne pas accepter l'Anschluss, bien sûr. Ne pas accepter Munich, bien sûr. À chaque fois, on a capitulé jusqu'au moment où les Anglais ont dit « Ah non, c'est fini ». C'était la Pologne, mais c'était trop tard. C'était beaucoup trop tard. Et encore une fois, la Pologne, elle, n'avait pas de ligne de défense. N'avait pas de protection, elle avait une armée qui n'était pas aussi bien équipée que l'armée tchécoslovaque, et on n'avait absolument pas les moyens de l'aider. On les a laissés crever, si vous me passez l'expression, parce qu'ils ont été écrabouillés par les Allemands sans qu'on lève le plus petit doigt. Ce qui prouve mais une imbécilité, une irresponsabilité de nos gouvernants, mais qu'on a de la peine à imaginer. Vous savez, ce que De Gaulle a sauvé, c'est pas seulement la France, hein. C'est l'image qu'on peut se faire de la France. Parce que les Français ont beaucoup de qualités, ils ont aussi beaucoup de défauts. En général, ils sont très vaniteux. Il y a une sorte de fierté française. Nous sommes le coq gaulois. Non. Oui, nous sommes les plus intelligents, etc., etc. Écoutez. C'est vrai, non? Non. Dans l'entre-deux-guerres, les Français ont étalé un niveau de bêtise politique, de vanité, d'irresponsabilité incroyable qui les a amenés à ce désastre. Et je dois dire que De Gaulle est le seul qui... devant ce désert d'intelligence, a été intelligent, a vu clair, a dit ce qu'il fallait faire. Et en 40, lorsqu'il est parti à Londres, il était le seul également à savoir ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire continuer la lutte, ne pas accepter Attention. Que la France devienne l'esclave de l'Allemagne, ce que Pétain, par un aveuglement total, a laissé se faire. Non seulement la France a été perdue en 40, mais elle a été humiliée, dégradée. Elle est devenue un pays méprisable par tous les côtés. Le seul qui n'a pas accepté ça, c'est De Gaulle. Et le seul qui a tout mis en œuvre pour qu'elle ne le soit plus, c'est De Gaulle. Et d'ailleurs, lorsqu'il libère Paris, c'est exactement ce qu'il dit. C'est sa fameuse phrase sur Paris humilié, outragé, mais Paris libéré. C'est pas Paris dont il parle, c'est la France. C'est la France se libère elle-même. Pas le fait que ce soit la deuxième DB qui soit rentrée à Paris, dans la capitale de la France, ça veut dire ça. Ça veut dire, j'avais dit que nous n'avions pas perdu la guerre, nous ne l'avons pas perdu, on l'a même gagné. Et la France, désormais, n'est pas ce pays idiot, méprisable, humilié, et qui va ensuite se prosterner devant son vainqueur pour essayer de quémander quelques croûtons qui tombent de la table. Ce qui a été exactement ce qu'a fait Pétain, avec bien sûr la complicité de Laval. Alors, Adrien. Ça, c'était une charge, là. D'abord, plus de remarques sur ce que vous mentionnez. Ouais. Il évoque une certaine déliquescence. Oui, une déliquescence de l'État. Qu'on retrouve aujourd'hui. C'est la même chose. Mmh. Pourquoi? On n'en a pas le temps de développer, c'est pas le sujet du jour, mais la gauche détruit le cerveau. C'est comme ça, la philosophie des Lumières appliquée à trop forte dose, ça fait péter le cerveau. Ça a la maison, ça. Non, mais voilà. C'est une sorte de... Parenthèse fermée. Vous évoquiez le fait que De Gaulle était la seule personnalité clairvoyante entre les guerres. Admettons. Le problème, c'est qu'en 1944, c'est lui qui a remis le couvert et qui a fait revenir tous ces gens-là. Non. Et non. C'est très intéressant. Mémoire de refrainé, si vous me permettez. Alors, pas du tout. Je vais vous expliquer ça. Alors, je vous explique d'abord le fin de la fin. Mais... Alors, le CNR avant du CNR. Justement, la question du CNR est capitale.
Tout à fait. Ma question, il y a eu, pendant la guerre, il y a eu une confrontation entre Jean Moulin et Henri Freinet pour savoir qui allait constituer le CNR. Henri Freinet nous disait que ce sera uniquement le mouvement de résistance. Et Jean Moulin, qui était plus ou moins l'agent des communistes en vérité, même de prix qu'il ne le soit pas. C'est pas le fond du problème. Disait, dans le CNR, il faudra faire revenir les anciens partis politiques. Et Henri Freinet lui disait, mais vous ne vous rendez pas compte, ce sont ces gens-là qui nous ont emmenés jusqu'à la défaite. Ce sont eux les responsables de la merde dans laquelle on est. Mais Moulin, par esprit conventionnel, a voulu réinstaurer ses partis. Et De Gaulle a validé cela, et De Gaulle, en 1944, a remis le couvert avec cette anti-France. Hélas. J'en arrive maintenant à la question, vous nous disiez, De Gaulle a refusé, est la seule personne à avoir refusé la défaite en 40. Si tel était véritablement le cas, pourquoi est-ce que le général Weygand et Pétain le disent, non mais au lieu de rigoler, écoutez, c'est un argument factuel très sérieux, pourquoi Weygand et Pétain, le 17 juin, disent aux industries américaines, tous les contrats d'armement que nous vous avons commandés, vous les envoyez en Angleterre. À l'Angleterre. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi font-ils cela? Je pose la question. Oui. Je peux vous répondre. Mais... Je peux répondre. Parce qu'ils voulaient voir la main gagner sans doute. Pas du tout. Non. Ensuite, ce que vous dites est juste. Hein. Attendez, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas simplifier les choses. Il ne faut pas simplifier. Je dis pas ça. Par exemple, vous ne pouvez pas dire il y a eu une collaboration. C'est pas vrai. Il y a eu des collaborations. La collaboration du Pétain n'avait absolument rien à voir avec la collaboration de Laval. Même pas avec celle de Laval. Et encore moins, évidemment, avec les collaborationnistes parisiens. Qui sont les pires ordures du centre. Voilà. N'empêche qu'ils sont quand même devenus les ministres de Pétain on lui a imposé. Pétain n'a pas contresigné les actes. Je suis désolé, Pétain, en 42, pouvait aller à Alger. Et c'était très facile pour lui. Il a accepté tout ça. Hein. Il a accepté cette chute permanente. Et bon, peu importe. En 40, vous avez raison. Non, mais revenons en 40, si vous voulez. Revenons en 40. En 40, il est tout à fait exact. Tout à fait exact que Pétain avait une idée derrière la tête. Cette idée derrière la tête, c'était les Américains, c'était pas les Anglais. Les Américains. Il se disait, et là, il était d'accord avec De Gaulle, puisque De Gaulle cite ça. Vous savez, dans ces fameux appels, il dit, voilà, on a été écrasés par une puissance mécanique supérieure, les chars, les avions, etc. C'est un discours de Churchill qui reprend. Mais nous allons gagner avec plus d'avions et plus de chars, grâce à quoi? Ben, tout simplement à l'immense industrie américaine qui n'a pas encore été pleinement utilisée. Pétain a, de ce point de vue-là, exactement la même idée. Exactement la même idée. Il pense qu'un jour ou l'autre, les Américains vont rentrer en guerre. C'est pour ça qu'il reçoit l'ambassadeur américain. Et il conserve toujours de bons rapports avec les Américains. Il est pratiquement le seul, avec son entourage immédiat, à avoir cette attitude. Ce n'est pas l'attitude de Laval, ce ne sera pas l'attitude de Darlan, parce que Darlan, lui, va se tuer beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai, tout à fait. Il le disait lui-même. Hein. Mais Pétain a eu cette idée-là. L'ennui, si vous voulez, l'ennui, c'est que Pétain a fait trois choses qui allaient complètement à l'encontre de ça. Première chose, il a laissé la France servir l'Allemagne, aussi bien en production industrielle qu'en production agricole, qu'en utilisation de l'espace, qu'en utilisation de la police, etc., etc. Bref, il a fourni des moyens à l'Allemagne. L'Allemagne a usé contre son aide. Elle ne se serait pas servie. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Pour une raison évidente. Mais donc Deuxième chose. Vous ne pouvez vraiment discuter avec un pays, le respecter, le considérer comme un pays, que si celui-ci bénéficie encore d'une certaine souveraineté. Or, Pétain a laissé sa souveraineté complètement disparaître, en se laissant imposer des ministres, en acceptant de les dégager, qui déplaisaient aux Allemands, etc., etc. De plus en plus, son pouvoir s'était étiolé. Est-ce qu'il avait le choix, vraiment? Mais bien sûr qu'il avait le choix. Il avait un choix extrêmement clair qui consistait à dire « Je ne suis plus d'accord, j'arrête ». Les Français étaient tellement attachés à sa personne. Sauf qu'il y a un pistolet sur la tempe d'un million et demi de prisonniers. Attendez. Ce million et demi de prisonniers, les Allemands, qu'en auraient-ils fait? Les Allemands, ils les auraient laissés crever de faim. Pas du tout. Comme ils ont fait avec les Polonais. C'est complètement faux. Les Allemands en avaient besoin. Parce que le problème des Allemands, c'est qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre.
Oui, et... Parce que tout simplement, plus ils ont eu besoin de soldats au front, plus ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Donc ils avaient besoin des soldats français qui travaillaient, ils avaient besoin du STO, ils avaient besoin des volontaires du travail, parce que précisément, ils ne pouvaient pas s'en passer. La France leur a fourni. Vous savez, en 42, la France n'a plus que 40% de sa production industrielle de 38 qui lui revient. Tout le reste, ce sont les Allemands qui lui piquent. Mais les Allemands, c'était. Si vous pénétrez dans un pays que vous écrasez, que vous êtes obligé de détruire, qui se défend bec et ongles, qui continue à vous faire la guerre, vous ne pouvez pas utiliser sa population. Lorsqu'au contraire, vous avez un gouvernement qui dit « Mais attendez, nous, on est prêts à collaborer. » Eh bien, vous utilisez sa production, vous utilisez ses usines, vous utilisez ses travailleurs. C'est-à-dire, vous bénéficiez d'une aide et d'un soutien économique considérable. De deux choses. Qui est contradictoire par rapport à ce que voulait Pétain. Premièrement, vous nous dites que c'est Pétain qui a sabordé la souveraineté française. Oui, moi, je vous répondrais que ce qui a sabordé la souveraineté française, c'est la défaite militaire. Et que dont il était responsable. Et que ce n'est pas Pétain qui a fait rentrer les Allemands. Alors, vous estimez que responsable, c'est votre droit. Moi, je ne pense pas. Ou alors, il est de façon très éloignée. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites, s'il n'y avait pas eu de gouvernement, le pays aurait continué à se battre. Bien sûr. Vous pensez... Alors, faisons preuve d'un effort d'imagination. Mmh. Imaginons que... Parce que à la base, Paul Reynaud dit à Albert Lebrun nommer Pétain parce que Paul Reynaud est persuadé que Pétain ne réussira pas à avoir une armistice qui va revenir deux jours plus tard. Mauvais calcul. Mmh. Mais imaginons que Pétain n'ait pas la négociation qu'il aurait voulu et qu'il remette son mandat à Albert Lebrun et que Paul Reynaud part faire la guerre en Algérie. Mmh. Vous pensez vraiment que la population française serait rentrée en guérilla contre les armées allemandes? Vous le pensez vraiment? Mais attendez, sincèrement. Mais attendez, les Allemands auraient été obligés d'occuper un territoire, un grand territoire, avec beaucoup d'endroits où vous pouvez parachuter, ça s'est fait beaucoup plus tard, des gens qui continuent à faire la guerre, si on dit de continuer à faire la guerre. Donc c'était possible. Deuxièmement, les Allemands n'auraient pas pu rentrer en Afrique du Nord. Tout simplement parce oula, que les Allemands... Oh là là. Les Allemands c'est pas ce que dit l'ambassadeur anglais d'Espagne, Samuel Gore. Pour une raison très simple, c'est que la mer était toujours sous le contrôle des Anglais. Les Britanniques, Il serait passé par l'Espagne. Il serait passé par l'Espagne. Jamais Franco les aurait laissés passer. À ce moment-là, attendez, il était d'accord. Pas du tout. Franco est un matois. Jamais il n'acceptait... Attendez, lorsque Hitler est allé le rencontrer, avant de rencontrer Pétain, je peux vous assurer que Franco a mis Hitler hors de lui. Parce qu'il était d'accord avec Pétain pour le faire. Bien sûr, mais jamais Franco n'a... Franco a dit « L'Espagne est à bout de force. Je n'arrive même plus à nourrir la population. » Ce qui était vrai, d'ailleurs. Et comment voulez-vous que je fasse une guerre? Mais Hitler s'en foutait complètement de ça. Non, pas Franco. Donc Franco n'aurait pas accepté ça. Donc, si vous voulez, le problème est le suivant. Et la Sicile? Vous avez la Libye? Vous avez, à l'époque... La Libye italienne. J'y arrive. Quelles sont les puissances maritimes dans le monde? La première, ce sont les États-Unis. Ouais. La deuxième... C'est la Grande-Bretagne. La troisième, c'est le Japon. Le Japon. Qui n'est pas encore en guerre. La quatrième, c'est la France. L'Italie ne pèse pas grand-chose en face de la flotte française. Imaginez une seconde que la flotte française, au lieu de faire ce que Darlan, bien sûr, en tant que responsable de la flotte, mais que Pétain, en tant que chef de l'État, ont accepté, à savoir... Que notre flotte soit détruite à Marcel-Kébir en partie. Puis ensuite. On leur a pas demandé leur avis pour Marcel-Kébir. Mais Marcel-Kébir, c'est pas. Attendez, mais on les a. Mais si on l'a désarmé, si on avait continué la guerre, les Anglais n'auraient évidemment pas bombardé la flotte française à Marcel-Kébir. Les Anglais, c'est vrai qu'il n'y a aucun risque pour qu'elle soit livrée aux Allemands. Ah non, ça, c'est un autre problème. Non, mais attendez, ça là-dessus, je vous l'accorde, c'est pas le problème. Le problème, c'est que. Ça a été justifié pour ça. Attendez, évidemment. Attendez, pensez que les Anglais sont seuls à se battre contre l'Allemagne, l'Italie qui les attaque en Libye, effectivement, et n'ont pas les moyens de se payer une flotte qui est pratiquement à égalité que la leur. Aucun risque contre qu'elle soit livrée. Oui, mais attendez, est-ce qu'ils le savaient eux? Ils n'étaient pas sûrs. Ils le savaient. Non. Ah, ils le savaient, mais en tout cas, Marcel-Kébir, la flotte est attaquée. Tous les bateaux français qui sont... Ce qui est un casus belli. Hein. Tous les bateaux qui sont en Angleterre sont saisis par les Anglais. Par les Anglais. La flotte qui est à Alexandrie est bloquée également.
Il nous reste quoi? Il nous reste quelques bateaux qui se baladent à Dakar, qui vont d'ailleurs tirer sur De Gaulle. On se fait d'ailleurs, il faut préciser, c'est les Britaniques qui bombardent la flotte française. Il y a un certain nombre de morts assez considérables. Ah, vers cette Kébir, tout à fait, de 1200. 1200 morts. Et donc, si vous voulez, vous avez là, vous dites, mais. Et en plus, la plus grande partie de la flotte, elle est à Toulon, elle est intacte.